reste les connectés à moins de 60€ signé Samsung. Hop hop hop, Samsung attaque de front le roi du game Xiaomi avec sa Mi Band 5. Donc comme vous l'avez deviné, today on va parler de ce petit bracelet connecté signé Samsung, donc la seconde itération, le Fit 2. Un bracelet connecté qui est quasiment deux fois moins cher que celui de l'an dernier. Mais pourquoi donc, vous me direz? On abordera bien sûr durant ce test tous les points de ce petit bracelet connecté qui va vous permettre de suivre votre activité au quotidien, recevoir vos notifications et j'en passe. Donc je vous invite réellement à rester jusqu'au bout. Hop, tu atterris par hasard ici, moi c'est Jojo et sur cette chaîne on parle principalement high-tech, smartphone, applications et compagnie. Donc si tu aimes ce genre de contenu, une chose te reste à faire, allez abonne-toi et pense à activer la petite cloche. Sur ce, si t'es prêt, je te dis, let's go. Hop, sur cette chaîne, on débute toujours par un petit déballage express. Alors, voilà comment ça se présente. Petit packaging que vous allez recevoir lorsque vous allez vous procurer ce petit bracelet connecté. Bon, rien de spécial. La mention Fit de devant et quelques caractéristiques techniques à l'arrière. Allez, on va ouvrir tout ça. Alors, à l'intérieur, tac, 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 on va y retrouver bien sûr le bracelet connecté en version black ici. On aura ensuite le petit câble de recharge. Et oui, tout petit câble. Et pour finir, nos titres de démarrage et compagnie, voilà, rien de spécial. Allez, c'est parti. À première vue, ce bracelet connecté, franchement, il ressemble à ce qu'on peut déjà retrouver sur le marché. Donc là, Samsung ne la joue pas trop originale. Au niveau du design, de la conception, comme vous le voyez, on a un écran qui est ici avec une forme droite, allongée. Petit écran de 1,1 pouce, technologie AMOLED, donc quasiment parfait, hein, qu'on ait Samsung sur ce point-là. Contraste de base qui est franchement assez bien calibré, plutôt un bon point. Au niveau du bracelet en lui-même, bon, on est sur du silicone, hein, tout comme le fait déjà Xiaomi avec sa Mi Band 5. Par contre, pour l'instant, le bracelet n'est disponible qu'en version black et rouge, donc en espérant par la suite avoir un peu plus de coloris. Donc voilà, donc d'un côté vous avez le bracelet et vous pouvez ensuite retirer l'écran juste ici, donc vous avez les deux parties. Au niveau ensuite du système d'attache, qu'est-ce que je peux en dire? Honnêtement, je l'ai trouvé très pratique et super simple. Il vous suffit juste, hop, de passer le bracelet ici dans l'encoche. Ensuite, hop, vous clipsez l'attache. Voilà, rien de bien compliqué. Franchement, c'est un bon point pour un bracelet connecté vendu à ce prix-là. Par contre, petite déception au niveau du système de recharge. Là, on voit vraiment que Samsung a voulu faire des économies par rapport à ce point-là. On se retrouve avec un système à clip. Bon, pas gênant en soi, hein. Même si on était sur un système magnétique sur la version précédente, beaucoup mieux pour ma part. Donc voilà, là, vous clipsez juste le cadran sur le bloc recharge. Bon, rien de bien compliqué. Et ensuite, vous branchez le tout. Alors moi, ce qui me gêne, c'est surtout la longueur du câble, toute petite. Il faudra forcément recharger votre cadran à proximité d'une prise. Et ça, franchement, c'est dommage d'avoir un tout petit fil. Ça, c'est un gros point négatif pour ma part. Après, on notera bien sûr que ça va dans le sens de cette baisse de prix par rapport à la version de l'an dernier. Bon, c'est bien beau tout ça, mais comment fonctionne le bracelet connecté? Qu'est-ce que vous allez pouvoir en faire? On veut tout savoir. Alors, première étape, bon, connexion du bracelet à votre smartphone. Bon, rien de bien compliqué. Hein. Il faudra télécharger en amont l'application Galaxy Wearable. L'application Galaxy Wearable. Bon, je ne sais pas si je l'ai très bien prononcé. Vous m'avez compris. Donc, vous ouvrez l'application. On connecte ensuite en Bluetooth votre bracelet connecté et c'est parti. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette application, elle va vous permettre en fait de paramétrer, customiser, personnaliser votre bracelet. Et ça, c'est un bon point. Bon, comme je l'ai dit, vous allez pouvoir tout customiser, que ce soit l'alarme, la météo, bloquer, activer vos notifications, ajouter des widgets, bref, pas mal de personnalisations possibles. Que ce soit au niveau des widgets, données de suivi, stress, exercice, météo, chronomètre, lavage des mains même, musique, sommeil et j'en passe, vous avez pas mal de choix. Vous pourrez également paramétrer le mode vibreur, l'intensité de votre écran et pas mal d'autres paramètres spécifiques comme le mode nuit qui vous permettra d'enlever vos notifications, etc. Autre point pas mal toujours dans cette application, la possibilité de changer votre cadran. Pour ma part, moi j'ai mis celui-ci, bon, ce qui correspond à mon profil. Et ce qui est cool, c'est que vous avez 70 possibilités, donc il y en a à peu près pour tous les goûts. Donc voilà, une fois que vous
vous aurez paramétré tout ça à votre sauce dans l'application. Il ne vous reste plus qu'à activer ce petit bracelet. Alors voilà, ça c'est le cadran que moi j'ai choisi. Donc plutôt pas mal, avec quelques données, nombre de pas, battement cardiaque, météo, etc. Au niveau du cadran lui-même, comment ça se fonctionne? Ben, vous pourrez en fait swiper de droite à gauche pour accéder aux différents widgets. Voilà, les exercices, le niveau de stress, la météo, chronomètre, la fonction lavage de main. Vous pourrez également contrôler votre musique et le mode sommeil, et j'en passe. Pour revenir à l'écran précédent, hop, vous avez juste en bas un petit bouton tactile qui vous permettra de revenir donc à l'écran précédent. Bouton assez réactif, donc nickel. Au niveau maintenant des activités sportives liées à ce bracelet connecté, alors vous allez pouvoir choisir entre pas mal d'activités, que ce soit la course, la marche, des exercices liés au cardio, ou encore des exercices liés à la muscu. Ce qui est cool, c'est que le bracelet va détecter automatiquement que vous entraînez, et elle vous permettra ainsi de traquer votre temps, traquer le nombre de calories brûlées, traquer votre rythme cardiaque, et j'en passe. Donc assimiler plein de données qui seront ensuite renvoyées sur l'application Samsung Health qu'il faudra également télécharger. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le bracelet connecté propose également une fonction lavage de main, qui vous rappelle à votre convenance qu'il faudra vous laver les mains plusieurs fois durant la journée, donc primordial en ce moment. Vous pourrez également suivre votre sommeil, analyser et également envoyer toutes les données sur l'application Samsung Health. Vous avez aussi une petite fonction stress, comme je vous l'ai montré, qui va vous permettre d'analyser votre niveau de stress. Et ensuite, l'application vous proposera différents types en fait d'exercices pour que vous soyez plus relaxé, donc assez sympa. Inspirez, détendez-vous les amis. Niveau notification maintenant, ben vous pourrez recevoir vos appels, recevoir vos SMS, des messages, des notifications, que ce soit WhatsApp, YouTube, etc. Concernant les messages, ce qui est cool, c'est que vous avez des réponses automatiquement prédéfinies. Donc voilà, vous n'avez pas à sortir votre smartphone, vous avez des réponses automatiques, il vous suffit juste de les renvoyer, et ça, c'est tip top. Un des points forts dont on n'a pas encore parlé, les amis, c'est l'autonomie de ce bracelet connecté. En usage basique, c'est-à-dire avec l'activation des notifications, en l'utilisant de temps en temps pour des activités sportives et en le mettant en mode sommeil la nuit, franchement, j'ai tenu à peu près 13-14 jours. Donc honnêtement, c'est un super point pour ce type de bracelet. Au final, Samsung propose un bracelet connecté assez cohérent et avec en parallèle un très bon rapport qualité-prix. Pour ce prix-là, vous avez un bracelet avec un écran AMOLED, vous avez une très bonne autonomie d'à peu près 14 jours en mode basique. Vous avez pas mal de fonctions pour analyser, suivre votre activité au quotidien, sommeil, nombre de pas, niveau de stress, et j'en passe. Et ce qui est cool aussi, c'est que ce bracelet connecté est étendu jusqu'à 50 mètres. Après, il faut le dire, tout n'est pas parfait, surtout à ce prix-là. Le tracker va surestimer parfois votre nombre de pas. Le rythme cardiaque, franchement, il n'est pas tip top. Mais après, voilà, il y a 2-3 points sur lesquels Samsung aurait pu faire mieux. Mais dans l'ensemble, ce Samsung Galaxy Fit 2 est un très bon bracelet, à un prix cohérent, un bel outil de suivi et franchement une alternative crédible au Mi Band 5. Et voilà les amis, j'espère que ce test vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur ce bracelet connecté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, envoyez tout ça en bas dans l'espace commentaire. Sur ce, c'était bien sûr Jojo, on se dit à la prochaine. Allez, prenez soin de vous. Ciao, ciao.